que nous, on a une structure qui enseigne le dressage depuis de nombreuses années. Ma fille sort en compétition de dressage. Moi, je suis juge, cavalier, même si je sors moins depuis quelques années. BE2, et donc le dressage fait partie des disciplines que nous enseignons dans notre structure. On a des enfants à poney qui sortent en compétition de dressage club. Club et poney, et on a quelques cavaliers qui sortent en amateur. Voilà, donc c'est une discipline que nous enseignons depuis de nombreuses années dans notre structure. Alors, pour développer la pratique du dressage dans les clubs, ça c'est un débat qui est intéressant, mais à mon avis, la seule solution, c'est déjà de commencer par former des enseignants qui aient une vraie technique de l'équitation de dressage. Et ça fait un petit moment qu'on en parle. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les responsables même nationaux qui ne sont pas forcément d'accord avec ce point de vue. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas des enseignants formés pour la discipline, ça sera compliqué de développer réellement le dressage. Parce que ce qu'on voit en équitation club, c'est souvent pas vraiment du dressage. C'est-à-dire que les enfants, enfin les pratiquants, n'ont pas des bases qui leur permettront après d'évoluer plus loin. On est obligé de revenir complètement en arrière. Voilà. Donc ça, c'est quand même un problème d'enseignement. Parce que si on forme des cavaliers, c'est quand même pour essayer de les pousser plus haut. Donc le but, c'est quand même dès le départ de leur donner des bases qui leur permettront d'aller plus loin. Et là, c'est pas forcément le cas. Bien, disons que ces stages sont intéressants parce qu'on a affaire à des cavaliers qui tournent à un haut niveau. Donc soit ça nous conforte dans ce qu'on pense déjà ou dans ce qu'on fait déjà, ou ça nous apporte des plus dans notre équitation, soit dans notre manière d'enseigner, dans notre manière de voir les choses. Ça attire notre attention sur des points peut-être de détail mais qui ont leur importance. Et c'est toujours très intéressant de participer à ces stages avec des cavaliers qui ont une grosse expérience.